Coucou tout le monde, ici Pulibéry, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un point custo. Et on va commencer tout de suite avec Mélodie, ma pulipe romantique Alice Pink version. Alors elle, bah, je lui ai changé sa wig, je lui ai remis sa wig stock tout simplement. Je vais zoomer pour vous montrer de plus près. Alors ensuite on passe à Daya, Madal, Angélique Pretty Maretti. Alors elle portait la wigstock de ma pulipe romantique Alice Pink du coup. Et vu que Mélodie l'a récupérée, ben, je lui ai mis cette wig en attendant. Je trouve que ça lui va plutôt bien, mais je pense que je vais lui changer plus tard. Ensuite, donc on a Ethan Montayang Koichi, Mathieu Montayang Butler et Zach Montayang MJFC. Alors du coup, Ethan il a récupéré sa wig stock parce que Zach lui a piqué sa wig et Mathieu, je lui ai remis son ancienne wig en fait. Ensuite on a Alia, ma pulipe d'Algi et Inaya, ma pulipe papin. Alia, je lui ai changé sa wig et Inaya, je lui ai changé ses eye chips. Ensuite on a Aurore, ma pulipe Nana-chan et Klaeli, ma pulipe Keikujaku FC. Alors toutes les deux je leur ai changé leur wig. Voici Isae, ma pulipe Cynthia Legra. Alors elle, depuis, je lui ai mis un Obitsu 24 cm L, de nouveaux eye chips et une nouvelle wig. Et pour finir, on passe à Enya, ma pulipe Victorique de Blois. Alors vous l'avez vu dans sa vidéo de son histoire, elle était déjà comme ça, mais il fallait quand même que je vous prévienne. Avant, elle s'appelait Vanny, elle faisait partie des poupettes, donc elle avait une histoire. Et en fait, ce personnage-là va revenir sur une autre doll, sur un autre modèle, parce que je trouvais que la pulipe Victorique de Blois ne correspondait pas au personnage. Donc elle, je l'ai renommée Enya, elle fait toujours partie des poupettes, comme vous l'avez vu, de toute façon vous avez vu son histoire. Bon, ça sert à rien que je vous dise c'est custo, vous l'avez vu dans son histoire. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir que du coup Vanny reviendra sur un autre modèle. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de leur nouvelle custo, et moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye!